Sorti en 2001 pour Game Boy Advance, Golden Sun a marqué les esprits par sa richesse graphique incroyable, ses éléments de gameplay novateurs et la beauté de sa bande-son. C'est Sakuraba Motoi, compositeur pour des titres prestigieux comme Valkyrie Profile ou encore Star Ocean, qui est à l'origine de la bande originale de Golden Sun. Dans cette bande originale, on peut trouver un total de 6 musiques de combat distinctes. Nous allons en voir 3 de plus près. La musique de combat habituelle, celle que vous entendez en ce moment même, comporte un certain nombre d'éléments typiques. En effet, on y retrouve la rapidité rythmique et l'agitation dans la mélodie qu'ont la plupart des musiques de combat. Mais ce qui rend véritablement remarquable cette musique, ce sont ses changements constants de tonalité et d'univers sonore. Vous pouvez entendre des sauts d'harmonie quasiment toutes les deux mesures, ça bouge énormément et les mouvements sont toujours très inattendus. Au niveau des timbres du morceau, les sonorités dynamiques alternent rapidement avec des sons plus doux, l'instrumentation change constamment et différentes sections à caractère très différent viennent souligner la dynamique de la musique. Une première section un peu héroïque, optimiste et encourageante est répétée 2 fois au début du morceau. Elle est suivie par une section plus chantante et mélodique. Ensuite, on peut entendre une section plus tendue avec des sonorités dynamiques. Suivie par une section beaucoup plus courte au caractère étrange qui comporte notamment des glisses Sandy comme ceci. Et ce sont justement les glisses Sandy qui dominent la musique de combat contre Threat, le roi des arbres de la forêt de Kolyma. Les sons s'y trouvent déformés et les timbres alternés. La musique est oppressante de par une basse très grave et rapide, les mouvements agités et chromatiques de la mélodie et des éléments musicaux qui semblent sans rapport les uns aux autres. Comme exemple, on peut notamment citer les petites notes très rapides qui bougent dans toutes les tessitures, du grave jusqu'à l'aigu. Maintenant venu d'affronter le boss final du jeu, le Dragon Fusion. Comme une apothéose de toutes les difficultés rencontrées dans le jeu depuis le début, cette musique contient tous les éléments harmoniques, mélodiques et instrumentaux que l'on vient d'entendre dans les 2 autres musiques de combat. Les rythmes rapides, les éléments mélodiques agités, les glisses Sandy, les changements de caractère, les parties héroïques et les timbres divers, tout y est. Les éléments apparaissent d'ailleurs très rapidement les uns après les autres et dans la plus grande désorganisation, ce qui ajoute énormément au stress du joueur. La musique de combat est l'une des bases dans une bande originale de jeux vidéo. Depuis le début de son existence, des centaines de compositeurs ont mis en musique l'agitation et l'angoisse d'une fervente bataille. Sakuraba Motoi réussit un exploit dans Golden Sun, celui d'innover et de renouveler les éléments musicaux dans la musique de combat.